toujours très étrange de présenter un film qui n'est pas encore tourné. Vous êtes les tout premiers spectateurs et je vous remercie vraiment d'être là. La lecture de scénario est un exercice difficile pour un comédien parce que c'est un travail assez long. Séquence 2. Route de Sokcho, extérieur jour. C'est un travail qui permet de bien comprendre le travail d'écriture du scénario. Donc le travail de lecture permet aussi à l'imaginaire de se développer. On est dans la salle, on entend le comédien lire le texte et on s'imagine le film qu'on va voir un jour. Donc je crois que c'est un très bon travail d'initiation à la préparation du cinéma et à la mise en œuvre d'un long ou d'un court métrage, parce qu'il y a aussi des lectures de court métrage. T'as maigri, toi ? T'as le temps de manger ? Maintenant, c'est devenu une tradition. La lecture de scénario est une marque de fabrique du festival Premier Plan. Des publicités avec des vues de Paris sont visibles. On a eu aujourd'hui Hiver à Sokcho, qui est élu par Julie Gayet. Elle entend du bruit de l'autre côté du mur. Le même rituel, la chaise que l'on tire, des bruits de papier qu'on arrache et qu'on froisse. Il y a trois lectures de scénario, dimanche, mercredi et vendredi, au début de l'après-midi, qui permettent de s'initier et de se laisser porter par la voix et de rêver.